tout le monde, c'est Soakfouine87, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve sur Fallout 4, toujours et encore dans le Player Bunker à côté de la caverne Sanctuary, etc. Donc si vous avez regardé les vidéos, vous savez où ce que je suis. Donc cette fois-ci, épisode 3, oui, parce que j'ai commencé une petite série sur ça, donc voilà. Il y aura des vidéos sur Fallout 4 spécial mode what the fuck, comme celle-ci. Et donc regardez ce que je tiens en main, c'est déjà un peu. C'est déjà assez what the fuck, donc du coup, on a passé. Ok, pourquoi pas. Donc on est arrivé à ces caisses-là. On les avait faites. Ces caisses-là, on les avait faites. Maintenant, on a fait celle-ci, que j'ai vidée parce qu'elle était pleine. Et donc du coup, je vais vous montrer les armes que je tiens en main. Donc il y a d'abord celle-ci. Le Heavy Ghost Canon. Elle fait déjà 25 de dégâts. 25% de dégâts en plus. Donc c'est déjà assez puissant. Donc c'est un peu mélange, c'est un mélange entre un bazooka, un lance-roquette, un minigun et un jump jet. Voilà. Je me rappelle bien le nom. Alors ici c'est un Hellfire Barrage, donc vous inquiétez pas, hein. Je vous montre juste les armes et puis on ira les tester. Hein. Vous inquiétez surtout pas. Le javelin. Le mire. D'ailleurs j'en ai deux, je sais pas comment ça se fait. Donc j'irai en retirer un. Alors le mini rocket launcher, j'en ai deux aussi. Donc, je sais pas pourquoi j'en ai deux. Dans la boîte ils sont deux, je sais peut-être parce qu'en cas où si vous en perdez rien, j'en sais rien. Puis voilà. Alors le plus canon. Alors lui c'est. Franchement c'est l'arme que j'ai pu tester donc du coup je vous dis celle-ci elle est vraiment. Elle est vraiment cool. Donc c'est un mélange entre Cryolator et le minigun. C'est vraiment une arme de ouf, c'est j'adore. Franchement, alors si on pouvait avoir une seule arme pendant tout le jeu et recommencer à zéro, je choisirais celle-là. Alors là, je vous montrerai tout ça, vous inquiétez surtout pas. Alors c'était des petites grenades, vous verrez bien ce que c'est. Donc je vous dis pas plus. Alors ici nous avons le The Pen of Atom. Alors je trouve un lance-roquette, un fusil laser. Et un jump jet, voilà. C'est plutôt pas mal. Alors le Zwarn, pardon. Donc c'est un lance-roquette, voilà. Et le Sumper. Alors lui, c'est le premier lance-grenade de Fallout 4. Je vais vous montrer ça tout de suite, du coup. Donc je vais d'abord déposer les armes qui servent à rien. Enfin, je les ai en double, hein. Celle-ci, voilà, celle-ci. Celle-ci. On a vu, c'est des doubles au cas où vous les perdrez. Alors, je vous rappelle que. Merde. Qu'il vous faut. Excusez-moi. Qu'il vous faut absolument avoir le mode. Player Bunker. Et Combat Simulator pour pouvoir télécharger ces modes que je vous présente. Donc. C'est la première vidéo que j'ai faite sur les mods, donc si vous avez pas vu ces vidéos, n'hésitez pas à aller les voir. Donc voilà. Donc vous avez pu le voir que j'ai déjà fait le ménage. Hein. Alors nous allons utiliser la première arme bah, que je tiens en main, je pense. Non, celle-ci. Alors regardez bien. Voilà. Donc c'est assez magnifique. Hein. Alors regardez celui-là, il va se relever. Voilà. Et on va l'abattre. Donc ça tire des munitions de fusée de ghost. Donc à la place des roquettes, regardez. Donc c'est assez magnifique hein, quand même. Bon, attendant, j'ai buté celui-là. Ah bah, j'ai raté, très bien. Alors regardez, Mosval, c'est magnifique. Mais je pense que je les ai tous tués là. Mais sur ça, je peux pas le péter le vertu de terre qu'il y a ici. Dommage. Mais bon, c'est pas grave. Tant que nous avons des armes, what the fuck, c'est principal. Et hyper puissante aussi par la même occasion. Alors, deuxième arme, arme suivante, c'est Hellfire Barrage. Alors, celle-ci, les gars, ça se tire pas comme ça, mais comme ça.
Sinon, on pouvait tirer aussi comme ça. Ah oui, vous pouvez tout simplement tirer comme ça parce que... Oula, le jeu commence à laguer, je vais tout doucement. Ouais, donc vous pouvez tirer comme ça. Hein. Regardez, ça va monter tout seul. Hop. Tout simplement, vous tirez comme ça, regardez. Voilà. Et là, tout va retomber. Et ça va faire un énorme bordel. Voilà. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc c'est un laser Gatling avec des munitions de cocktail Molotov, j'ai l'impression. Alors le javelin. Le javelin, lui, c'est un peu spécial. Alors déjà, il détecte les ennemis, ça c'est normal. Enfin, avec un viseur ainsi, non, je pense pas que c'est normal, mais bon. Ah, d'accord. Alors, il tire la roquette, elle s'envole, et elle retombe. Et elle retombe. Non, tu retombes pas? D'accord, pas de soucis. À mon avis, il faut viser de loin. Alors, il faut viser, et puis tirer. Vous tirez, elle revient. Parce que regardez, admettons que je veux tuer ce bonhomme-là, je vais tirer sans viser. Hop, elle va partir. Elle reviendra jamais. Vous pouvez la voir partir loin, loin, loin. Tandis que si je vise et que je tire, je visais par là, donc du coup, en fait, c'est comme un petit GPS qu'elle a. C'est missile guidé. Regardez, vous êtes là. Vous choisissez celui-là. Vous tirez. Hop, ça va dans les airs et ça revient. Sauf que là, ça a foiré. Donc c'est fait pour les cibles à longue distance, regardez, hop, vous tirez. Puis vous, il suffit juste de signaler. Ça aussi ça marche pas parce que je l'ai pas signalé. Donc, je vais le marquer, regardez, et je tire. Tiens, il y avait une autre. Ah non, c'est bon, ok. J'en avais ajouté une parce que j'avais testé les armes ici, du coup je me suis envie un peu trop lourd, donc du coup je les ai retirées. Alors le mire, ici. Vous avez vu ou pas? Un petit feu d'artifice. Hop, elle part, elle s'envole, elle se détache, et bon. Ah, d'accord, ok. Regardez un mosvap, ça va changer. Un petit peu mieux. Non, je sais pas, ça... Non, voilà. Voilà. Alors, c'est une petite grenade que vous lancez, elle monte, elle monte, elle monte, elle se disperse et puis boum. Voilà, regardez, hop. Voilà, rien de fou, hein. Alors, le mini rocket launcher. Alors, lui, c'est autre chose, hein, regardez. C'est des roquettes, enfin, à la place de tirer des roquettes, ça tire des munitions de fusée de Ghost. C'est mal quand même. T'as vu ça avec style en plus, hein? Elle s'accroupit quand elle fait. Ça peut aussi de... C'est bizarre ça que le mode, on a vu. Se met accroupi. Alors, arme suivante. Voilà, donc c'est ça que je vous disais, le pulse canon, donc l'arme avec le cryolator mélangé avec le minigun, donc ça fait ça. Regardez bien. Déjà, le viseur il est super. Regardez-moi les dégâts que je fais, ça. Et comme j'ai beaucoup de balles en chargeur, vous imaginez les dégâts que ça peut faire contre un écorcheur, une reine de fangeux. Enfin, maintenant vous allez dire que, vu les modes que j'ai juste à aller avec mon couteau et bah voilà, juste un coup de poing et j'en tue le fangeux. Mais je veux dire, regardez. Si vous recommencez tout le jeu et que vous prenez juste cette arme-là pour faire toutes les sorts du jeu en étant... Bon, il va falloir être aussi, je pense, invincible.
pour faire le mode survie, mais regardez quand même. Beaucoup de dégâts. Fusil de ghost là. J'adore cette arme. Un plaisir total. Arme suivante. Alors, Spike, grenade. Alors, qu'est-ce que c'est de ça? Alors, il n'y a plus beaucoup d'ennemis. Hein. Voilà, donc on va faire sur ceci. On va lancer la grenade, attention. Ouais, j'ai pas vraiment compris ce qui s'est passé. En fait, la grenade a sauté dans les airs une fois que ça voulait exploser. Hop, elle saute et puis elle explose. Regardez. Hop. Elle saute, puis boum. Rien d'exceptionnel, hein. Alors, Spike mine, c'est la même chose, sauf que c'est une mine, regardez. Voilà. Hop. Donc je la pose à terre, je tire dessus. Hop, elle saute, elle monte, voilà. Juste une mine. Alors, Swarn, grenade, ça c'est autre chose, regardez. Ça saute, ça disperse, et puis boum. Comme l'arme tout à l'heure. Alors, Swarm, grenade, choc. Ça, c'est autre chose. Regardez. Là, ça fait un peu plus mal, hein. Quand même avouer. Y'a pas des ennemis par là qui sont genre buggés, non? Si, hein. J'en ai plus que deux ici, ils sont là. Mes deux dernières victimes, disons. C'est pas mal quand même, une grenade. Donc voilà, arme suivante. Ou mine suivante. Alors ça, c'est la même chose, donc. Hop. Donc la même chose que la grenade d'avant. Rien d'exceptionnel. Ça fait toujours plaisir pour défendre ses bases. Ou ses constructions, c'est plutôt pas mal. Alors, soit mine choc, donc c'est la même chose que la petite grenade que j'ai lancée, sauf que c'est en mine, donc vous lancez la mine. Voilà. Regardez, hop, je tire. Et voilà, tout simplement. Alors, arme suivante. The Pen of Atom. Alors là. Regardez-moi ça. Voilà. Donc en tout ça tire. Vous vous rappelez sûrement de du pistolet alien que j'avais fait, que j'ai eu dans un mode, qui tirait des. Comment? Des munitions de. Comment il s'appelle le robot de la confrérie dressée déjà? Liberty Prime, voilà. Il tirait des munitions de Liberty Prime, donc regardez. Comme ça, donc regardez ce que ça fait. C'est un bazooka, ça tire comme ça. Ah ouais, c'est cheaté quand même. Voilà tout ça. J'ai plus qu'une seule victime, voilà. J'ai plus rien d'autre. Bref, changeons d'arme. Le soir. Je sais pas ce que c'est. Ça tire plusieurs missiles. Ça tire déjà des missiles et ça se disperse ensuite après. En petite grenade, en petit explosif. Regardez. Pas vraiment exceptionnel ma foi. Le Sumper, pardon, excusez-moi. Donc le premier lance-grenade du jeu, hein. Mais sur grâce au mode, regardez, hop. Ah d'accord, ça a été un énorme fail. Mais c'est pas grave. Voilà, ça se recharge. Vous visez, vous tirez. Ça lance grenade, voilà, tout simplement. Donc ça fusille à pompe mélangé avec des grenades et ça fait un lance-grenade du coup. Alors vous pouvez voir le petit viseur qu'il y a dessus qui fait aussi rappeler au lance-grenade. Du coup voilà, ça fait un lance-grenade.
C'est plutôt bien, regarde. Alors malheureusement, on doit recharger à chaque fois, c'est chiant. On pouvait tirer que deux grenades, mais bon, c'est toujours ça de pris, hein. Alors voilà. Alors, j'ai plus rien à vous montrer, sauf, bien sûr, et comme d'habitude, en fin de vidéo, les modes, enfin le mode en question. Alors, le mode en question, c'est... Je vais le montrer tout de suite, ne vous inquiétez pas. Alors, si vous voulez savoir... Et donc, le mode en question, c'est celui-ci, donc PS4 Weapon Pack Heavy. Donc voilà, c'est ici, donc je vous laisse le temps de mettre pause sur la vidéo pour pouvoir le noter, le marquer directement dans votre recherche de mode et pouvoir le télécharger. Voilà. Et donc si vous voulez plus d'informations à propos du Player Bunker et de la Cave Sanctuary et des modes à télécharger avant de pouvoir télécharger cela, n'hésitez pas à regarder l'épisode 1 que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, moi il me reste plus qu'à vous dire une bonne soirée et une bonne nuit, un bon amusement sur Fallout 4, ça dépend à quelle heure regarder cette vidéo. Et moi je vous dis... Bye tout le monde.